On dit que tu es trop Fally et t'aimes pas Ferré. Non, 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 c'est pas ça. Ferré, c'est notre artiste que je respecte beaucoup. Mais sauf qu'on n'est pas, en bonne relation. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Je joue sa musique dans ma boîte. Okay. Le genre, c'est fanatique. Je la berce avec la musique de Ferré Gola. Donc, il n'y a pas de problème. Quel est le dernier son de Ferré que tu as apprécié? Il y a la chanson Regarde-moi, que j'ai fait même des émissions, que j'ai dit qu'il nous a surpris. Mais là, je suis étonné de voir que la chanson est supprimée sur YouTube. On l'a supprimée pour deux raisons. Parce que tu sais, les artistes doivent comprendre et respecter les règles de manager. Le contrat est qu'au bébé sur l'opé carrière. Ouais. Il y a des points où au signer ma bébé, aux UP problème. Donc, il raisonne tout le monde est bon. C'est pas un truc, c'est parmi les chansons que moi j'aime, malheureusement, la supprimer. Moi aussi j'aime. Donc, je crois que l'artiste, avec son équipe, doit essayer de revoir. Mais ce qui touche mal, c'est que la partie de l'artiste doit avoir une communication pour nous expliquer réellement pourquoi on a supprimé la chanson. Je pense que les artistes doivent respecter le contrat, le close, et puis se laisser guider par de managers compétents qui peuvent amener encore très loin. L'artiste, la biso, Balingaro, c'est faire guider tes comités. Lélo O Fally pour pas aujourd'hui, il s'est laissé commander. Fally a plus de 10 managers. Oh Lélo O et avant d'arriver, il s'est dit que tu as une mission ça, ça, ça. J'ai vu aussi Fabregas qui est signé par Sony Music, comme Eriti Watanabe avec Obo Music, avec David Monson. Ouais, donc c'est un contrat, c'est une production qui va. Ceux qui vont résilier le contrat, tu verras que les deux parties vont s'annoncer. Expert aventurier, bah comment trop. Mon ta proposition, le solo, mais pas autant avec Terrenne ni Olia là. Ou bien des projets, mais pas expliquer à Olé qui la mouninga. Les artistes eux-mêmes sont des producteurs, sont des managers, et même vont au studio, et même sont chanteurs, et même sont chanteurs, et même sont compositeurs, et même sont mentalistes, et même sont chanteurs. Yo betara bal, tu es entraîneur. Donc imagine-toi. Donc pour écouter le manager, c'est compliqué. J'allais à la leader, en yo que la manager, t'es manager ou le belé nini. Nasco défaut n'anga d'arabement qu'on a d'arab hypocrite. Finga na yo loba na yo mais normalement on va en réfléchir parce que toi n'es mon côté, on n'a pas une même vision. Quand il m'a la français, il y a une nuance, tu vois le français. Oui, le français, la nuance, l'accent. Mon tout mousson, il y a un maman. Il y a compliqué, on comprend. Fondation Yassine Bilele. Yassine Bilele, maman mouté, maman l'amour. Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosuma. Zosuma Babo Fele Babo La Bama Maba Veve. Oh Bilele. Zosuma. Yassine Bilele. Mama Mote Mama Lamu. Fondation Yassine Bilele. Zosuma. Yal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 
Se djonga de, awa, boko kuta, biloko nyonso bolingaka ya kotumba, loko la ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. E sengali koyebake, se djonga de, bafongo la ka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali kolala, adresse zaka kase moko, se djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, Bobana Kozua, Suzuki Luzub, 4x4. Yende Mutako Sepelisabino Nandenge Ako Sakanate, Ozaku Lia, Ozaku Mila, Ozaku Bina. Pe chaque samedi, Eko Bandako Zalande, CNN, Alligator, Naba artiste Monsusu. Bako Bandako Sepelisabino Nama Kinu ya defwate na bakunga Yako Sakanate. Et puis, chaque dimanche, Sombele Suka Bisanga, Ndebo Kozua, le grand chanteur. Emele alias de Mingongo. Yende Mutako Ndeko Palo la Awa, Boko sentir Betue Bao différence. Yena Tele Mone Namira Yanani Che Djonga de Malolo. Oui frère Babi Djonga Futur Moutorosso la 50 boîtes La Katakine Che Djonga Ske Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko Che Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit bana din bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site ya se moko Afrique Info avec Frank Semai Yandankala Twende X-Bass Maranura Amis téléspectateurs, amis internautes, le bien est devenu mieux que le mieux soit béni. Car nous sommes très contents. Cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous nous recevez, mais nous allons partager un moment de bonheur et de plaisir. Lorsqu'on rentre dans l'évangile, lorsqu'on parle d'une pièce retrouvée, c'est comme une bénédiction dans la galère, dans les difficultés, mais on retrouve une pièce de monnaie qui vous sert, qui vous sera très important, même pour le pain de la journée. C'est comme pour moi, cet après-midi ou ce soir, j'ai retrouvé une pièce perdue. J'ai retrouvé un frère. Oui, par son parcours, il a innové. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la mutation de DJ comme quelqu'un qui anime les shows, qui fait les scènes de platine aux musiciens artistes. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. Lui s'appelle DJ Abdoul. Moi, j'aime même l'appeler Papa Berry. Et d'où ? Abdoul. Yes, papa, comment ? Je suis très content de te recevoir. Moi aussi également, le plaisir est partagé. Nous allons échanger de beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu es devenu ? Ah oui, voilà, on est dans la nature, en mode Covid, j'ai excellé quand même par rapport à comment est-ce qu'on se connaît, il y a des années, okay. Plus de 15 ans de famille, donc ouais. Voilà, chacun de nous à son coin, il a essayé de merger en côté musique, et aussi, comme tu as bien précisé, de la mutation de DJ en DJ chanteur, et c'est qu'a fait de moi aujourd'hui une image, un exemple, parce que dans le monde des DJ, il y a eu des anciens, des gens qui ont pu marquer à leur niveau l'histoire. Okay. Et moi aussi, à mon tour, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour rester dans cette génération comme quelqu'un aussi qui a tracé un chemin, une route, que les gens aussi peuvent faire mieux ou plus que moi. Mais en se référant du bienfait d'un DJ congolais pour une première, c'est vrai qu'en Afrique, ça existait déjà le DJ qui chantait comme okay. Le fait DJ Arafat, DJ Jacob, DJ Moulokokoua, mm-hmm. Le mouvement ivoirien, qui a été inspiré de la musique congolaise et déformé, je peux l'appeler comme ça, l'a donné encore plus de forme côté musicalement okay. Et s'adapter avec le rythme qui a créé le soukous, le coupé décalé aujourd'hui, qui était revenu ici au Congo, qui a fait bouger. Et c'est par là que je me suis dit, bon, c'est démarquer des DJ en platine, c'est bien. Il y avait encore beaucoup de succès, mais pourquoi pas aussi faire ce que d'autres font en faisant du son.
Aujourd'hui, on parle de toi comme artiste musicien. DJ chanteur, artiste musicien, interprète. Donc voilà, j'ai pas mal une dizaine de titres déjà que le Congolais en Afrique, les gens, qui ont aimé, qui ont dansé. Mais c'est vrai que la routine, et puis à un moment donné, j'ai pu quand même faire une pause pour voir à paix avec l'actualité de la manière dont la musique est vendue, la manière dont la musique est acceptée avec des plateformes. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ma musique soit consommée et gagner aussi de retour? Avant d'aller dans les projets, dans ce que tu prévois, qu'est-ce que tu vas réaliser d'ici là, on va rapidement épingler le côté sombre. Le côté sombre, à un moment, on avait DJ Abdul très foncé dans la polémique. Et puis du coup, pouf, plus rien. Il se retrouve en tôle. Comme un artiste, moi, j'ai pas arrêté de te dire, même dans les réseaux sociaux, j'ai encouragé, j'ai prôné sur ta liberté. Ouais, merci. Oui, et c'est vrai que j'ai quand même eu des gens qui m'ont agressé, qui m'ont parlé à leur manière. Libre à eux, nous sommes en démocratie, les gens se respectent. Mais du moins, je me dis, si j'essaie de lier l'utile à l'agréable, je me dis, trop foncé dans la polémique pour te faire taire, on t'a piégé. Bon, en fait, s'il faut revenir dans cette histoire, parce que de ma part, je me dis, bon, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, est bien et bon. Pour moi, je le prie sur notre forme. Ces gens-là, mes détracteurs, ces gens qui ont voulu ma peau, qui ont voulu finir ma carrière, qui ont créé ce qu'ils ont pu créer, le montage des histoires de viol sur mineur, qui n'a jamais existé. À mon niveau, à mon travail, les gens qui me connaissent, qui connaissent le travail que je fais, ma fréquentation. Toi, un homme de nuit? Un homme de nuit, un homme entouré. Où la gente féminine est offerte. En tout cas, en pourcentage parfait, zéro. Voilà, donc tu as tout dit. Ceux qui connaissent la réalité de la nuit, ils vont te dire, voilà, c'est faux déjà. C'était une piège ratée. Mais la loi est dure, ben c'est la loi. Tu vois, quand on te piège sur des histoires comme ça, et notre justice, la première de choses d'abord, on t'arrête. Le temps de faire des enquêtes pour savoir si réellement le fait dont on t'a accusé, si réellement. Et c'est comme ça que les histoires... Avec la Covid, ça a tout embrouillé, il n'y avait pas de audiences pour bien s'exprimer. Ça m'a pris au moins 3 mois en tôle et 3 mois encore en attente sur les dossiers. Après, on a compris qu'il y avait des gens qui étaient derrière ces histoires. Qui est derrière toi. Qui est derrière, oui, des artistes congolais que je ne peux pas citer pour leur donner encore de la publicité. Mais là où ils sont, ils savent que Dieu a échangé leur mission impossible et avec Dieu, tout est possible. C'est comme on dit, qu'on passe du mal pour toi, donc qu'on ne te trouve pas dedans. On peut bien mal parler de toi, mais la réalité, la fin justifie le moyen. C'est quand même dans la polémique, tu vois, notre musique, il y a des histoires. Le Congolais, nous, le Congolais, nous n'aimons pas la vérité. Ce qui m'a tué, ou bien ce qui a voulu me tuer, je peux le dire comme ça, c'est des francs parler, de dire la vérité là où tu es. Mais tu es allé quand même un peu plus trop loin. Non, mais. J'étais vraiment vu en train de. Oui, moi. Mais moi, ça va, t'as comme. Non, moi, l'obara. Et d'où, s'il faut parler, je parle. Excusez-moi le terme, je ne suis pas autant, mais quand il faut parler, je parle. On ne peut pas accepter de telles bêtises, de voir les gens accorder la bêtise. Parce qu'aujourd'hui, nous, les Congolais, nous accordons plus la valeur à la bêtise qu'à les choses très... Les antivaleurs. Les antivaleurs, tu vois. Quand un enfant qui manque du respect à un papa, les gens l'applaudissent. Quand un papa qui chie sur la route et puis sur la route, les gens applaudissent. On voit qu'il est bête et côté bestiole, les gens applaudissent. Et du coup, moi, j'ai eu affaire avec un artiste que je lui remettais à sa peau. Et du coup, nous savons aujourd'hui, avec des gens qui sont derrière les artistes, ils vont dire, bon, voilà, le petit, là, on va le faire taire. On va voir comment on va créer. Non, voilà. Ah, trop. Voilà. Et au cas où ça, il faut créer mon amour qu'on a habité, créer famille, mon banité, monter dossier. Moi, Nawana, soi-disant, elle était enlevée pendant 2 mois, séquestrée par moi, cachée dans ma maison. L'état d'Azo batté. On dit, ça me dit, c'est que mon toit est fautif, mon toit est yébi. Je suis moi, Nawana. Yo, vous avez vu, monsieur, il y a eu bien. À Kangana, on a connu pendant 2 mois. Bon, on a connu, on a connu, ils ont rendu. On a connu, ils ont cédé, ils ont cédé partout. Ma Ketchner, à mon pandier, dans la 3 TV, dans 3 salons, et tout ça. Ma enquêteur, un peu surprenant, ma personne, on a été, ma quelqu'un surprendre, on a vérifié tout ce que l'enfant a raconté. À côté. À côté. Bon, DJ Koutana, il y a eu un DJ Koutana, il y a eu une école. Je suis allé monter ma pico, je suis allé culturel, je suis allé DJ qui a animé. Je suis allé à la voiture, je suis allé à Melissinga, whisky, je suis retrouvé à Brazzaville. Oh! Je suis allé vérifier une école. Sur plus de 5000 lycéennes, il n'y a jamais eu une journée culturelle dont moi j'étais invité. Je suis allé monter ma pico, je suis allé à la voiture. Comme moi, je suis allé à l'école, et je n'ai jamais eu l'école. Je suis allé à Brazzaville,
qui suis-je pour ramener quelqu'un ivre au cas de la famille présidentielle. Voilà. Imagine. Donc ça dit, ils ont au moins le coup mais Dieu est juste que bateau batala et puis merci bateau bat prière qui pour danga. Surtout bah fanatique bah mi bino bandeko oboyé. Et on profite pour demander pardon à la gente féminine de dire pardon à nos mamans et de rappeler que les anti-valeurs doivent cesser. Aujourd'hui, papa, maman, prenons le temps d'encadrer nos enfants, prenons le temps d'encadrer nos filles. Qu'un enfant à 18 ans, 16 ans, 15 ans ait quand même la jugeote de comprendre que ah, ben, il n'y a pas de l'okuta, n'a pas la montée. Et puis, je souhaiterais qu'on ne s'attarde pas trop sur ça. Oui, oui, oui. En fait, pour finir, pour épingler, j'aurais souhaité demander. Nous passons à l'état des droits. C'est vrai que le président de la République a dit l'état des droits. J'aurais souhaité que je présente, que je demande. Tu es un ministre, tu es un ministre. Il n'y a pas de ministre. Mais déjà, c'est un pas. Bateau, bakou, c'est la rabatou, makambo. Par exemple, quand il y a crime, quand il y a viol, ceux qui sont innocents, ils sont des criminels. Donc, même condamnation, si vous avez 25 ans, il faut que vous avez 25 ans. C'est pour que vous avez un projet, parce que nous allons commis tellement dans le Congo, nous allons servir à la banque, nous allons faire un film à beaucoup utiliser. Tonton, il doit outil poto, nous allons faire un bon micro. Film à la banque, nous allons novelas, avant d'y piéger. La fille dira que tant que la novelas, tonton, il doit forcer, nous allons faire. Tout wana y a un plan, bah tiens dis-moi on a pas entendu la nouvelle, c'est Nanda qu'on a dans bowling on a yo moko. Écoute tu la bouso, bah donc bah ne bah continue la bisso. Voilà donc que Dieu les bénisse, je les ai pardonnés, c'est une histoire oubliée donc on avance. Maintenant pour un artiste, chaque parcours, chaque embûche, ça lui permet de s'inspirer. Ouais. Abdoul, j'aimerais savoir aujourd'hui devant tous ces internautes, Kacho. Et apprendre de Yonine. En baxé de Yonine. En tout cas, blog Ezali, au Batwaro Yoka déjà, c'est bon. Ezali, en fait, normalement, moi, étant dans la salle 6 mois, je fais 6 mois dans ma cala. Donc, et puis, Singapour, ma inspiration, et puis comprendre encore bien fort la vie. Parce que la vie, c'est une école, c'est un chemin où nous sommes en train de partir, on ne sait pas d'où on va. Okay. On sait d'où on vient, mais on ne sait pas d'où on va. Okay. Alors, Nathan Wana, j'ai trouvé qu'il y a aussi la vie dans la prison. Il y a aussi des gens qui vivent. J'encourage pas les gens de faire du mal pour aller en prison. C'est pas un très bon endroit pour aller. Si tu es coupable, tu mérites être recadré pour revenir à la normale, pour être acquitté. Si tu es innocent, tu seras acquitté comme moi. Mais sache qu'il faut être préparé moralement, spirituellement. J'ai trouvé des gens qui ont fait 15 ans, qui ont fait 10 ans. Notre papa Eddy Capen, qui est déjà libre aussi, j'étais avec lui, on partageait des idées. C'était l'une de mes motivations quand je voyais le vieux et tout, on parlait, on torture pas les gens, on tape pas les gens, on brutalise pas les gens. Si c'est pas ce qu'on imagine. Quoi. Non, les gens imaginent autre chose. C'est seulement quand tu te comportes mal. Donc, si on salit ma baie, on ne va pas punir yo par rapport à ma baie au salit. Parce qu'il y a la prison, on arrête la prison. Ma punition, les alis, tout ça, ma cellule, les alis, on va plus sur les punitions. Mais. Moi, je pense que ma inspiration, quand tu es fermé, tu es concentré, je dégageais vraiment cette bonne humeur avec les gens qui venaient me voir. Parce que déjà, consciemment, que j'ai clamé mon innocence depuis le début. Je disais que je ne connais rien, je ne sais rien et que je serais sorti sans problème. Il y a eu même des propositions de l'autre partie pour dire que paye autant. Salab, je dis, je ne paierai même pas 500 francs. Et je sortirai d'ici. Dieu est grand et que vérité à Kobima de la Bible. Mais ma inspiration, je suis un jour où je suis un peu plus grand. Ok, je serais dans la prison. Ok. Bolon de musique à la paix, c'est pas la mère de la mère. Mais président, nous on s'ennuyait, il y a mon chambre, on va mieux que dans la chambre. Moi, je suis un peu chauffeur, moi, je suis un peu chauffeur, on s'en a moins d'entraînement. Dans le côté jour, je ne vais pas là. Mon condit, tu es un peu. Nana salagi na nga elo kote pona batu bakaji nga pona nani inosamoweye moko disco dance as kusoba simu na senti obendo moko nziti ka dona dance na ngode na ebisho na beta una repetition sko moto mo filma ki piu koti rezo sosio DJ Abdoul Assel orchestre la Pascal DJ Abdoul Assel ici abini siba indi ka pe na ebisho et comment est-ce que non ôté tout le cas président là comme président orchestre ngabi ah pas pour dire bino voilà projet là tika là autre que bah je là ok non ça c'est donc, voilà, ça c'est ta dimension en fait. C'est ma dimension de faire et puis j'ai écrit beaucoup de chansons et puis la présence aussi m'a servi de comprendre aussi que la vie la vraie famille
les amis, parce que tout le monde a ah ma salangan de konanga sous du problème d'oeil bah vrai de konao sous du bah faire nous comprendre montoni na oui bah na zarana donc merci d'abord merci d'abord de konyoso merci Africa Info Tikaingate merci à toi je t'ai vu comment tu battais merci à tous les amis de la presse bah DJ surtout bah ma salanga bah musicien bah artiste bah téléma qui bah s'est mobilisé tout le temps bah on comprend que ils ont makamuya yanko bah tout bah qui mobilisé bah nyoko langa Batou par qui baye mi que DJ Abdul est innocent ba ko sala ba papier et comme ko tambo na ba réseaux sociaux libérer DJ Abdul libérer DJ Abdul et comme appelle qui des droits dans les dossiers or il y a aucune pièce donc il mérite être libre donc voilà et inspiré qui ngana ko banzi bobelé au un de ces quatre voyages j'ai fait les chansons sur le social la réalité sur la paix malheureusement sur Kimia. On t'a pas fait le featuring. Bon, on s'est fait tirer une métier. Donc, ça, voilà. C'était juste pour faire une transition. Voilà. En fait, Abdoul, on va rentrer dans notre vif du sujet. Ouais. Je cite Yorobo, Arafat. Arafat, oui. Un talent. Un talent parce qu'aujourd'hui, on peut beau dire ses frasques sur les réseaux sociaux, mais c'était un talent. Parce qu'on dit... tu mourras comme tu as vécu. On a vu quand il est mort, qu'est-ce que ça a drainé des foules et comme ça. Mais ce monsieur n'avait jamais arrêté de dire qu'il était inspiré par la musique congolaise. Ouais. Il n'avait jamais arrêté de dire que lui c'était Tutu Kaluji, Bill Clinton, il y avait même un Arafat à Brazza. Oui. Bref, c'était quelqu'un qui était fier de dire qu'est-ce qui l'a inspiré. Mais sur ce mutation de platine à l'artiste musicien, il en a fait de fortune. Mais le pays d'où est venue son inspiration, personne jusque-là a essayé de faire ou s'approcher à ses prouesses. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Bon, tu as parfaitement raison. Le problème, c'est quoi? La différence entre nous, la musique que nous faisons aujourd'hui et la musique qui s'exporte en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle, il y a des fonds de promotion culturelle qui sortent de fonds de projets. Et il y a les gens qui créent des industries de producteurs qui mettent de moyens pour des artistes. Si tu as des talents, on croit en toi, on met. Et puis la piraterie est moins que chez nous. Parce qu'aujourd'hui au Congo, nous souffrons un problème. Depuis à l'époque de Wendo Kolossoy, Papa Taboulé, Grand Calé, tout le monde planifiait pour ce qui concerne la culture. Nous profitons aujourd'hui. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Quand bien même qu'à un moment, Taboulé a assumé les fonctions de vice-gouverneur, on pensait quelque chose voulant changer après, mais on a vu que ce n'était pas le cas. Pour moi, je dirais ceci, que nos autorités aident nos artistes à vivre de leur propre force. Ça veut dire quoi? Le jour où il y aura l'industrie musicale au Congo, l'industrie, ce n'est pas mettre de milliards de millions. Chaque Congolais qui croit que la musique congolaise peut payer, peut créer des sociétés et s'en charger de droits des artistes. C'est le partenariat, tu es dans un label ou une structure aujourd'hui. Par exemple, il y a des labels qui se naissent aujourd'hui, qui sont sérieux, mais bien qu'ils évoluent, ils sont en France et ici. Mais tu sens que les artistes qui sont là, ils gagnent quand même quelque chose. Tu sens qu'il y a un changement de mode de vie par rapport aux structures qui sont. Nos artistes aujourd'hui, c'est lui-même le manager. Moi, j'ai vu à Brazza les taximens payer les droits d'auteur. Imagine. Les artistes eux-mêmes sont des producteurs, sont des managers, et même vont au studio, et même sont chanteurs, réalisateurs, et même sont compositeurs, et même sont mentalistes, et même sont chanteurs. Donc imagine-toi, donc pour écouter le manager c'est compliqué. Déjà il y a le leader, alors que le manager était manager pour le belé, Nini. Alors Arafat a eu cette chance d'étudier dans de grosses boîtes de production. Et cette production a fait de lui aujourd'hui les Zeus d'Afrique. Parce qu'à travers l'Afrique, le monde l'a découvert et ça fait essai que Akene. Moi, je prie aujourd'hui que si on a cette grâce d'avoir de grands producteurs qui pourra mettre le moyen. Mais le talent y est. Le talent y est. Le talent y est, mais moi, je pense que nous souffrons, les artistes. Le talent seul ne suffit pas. De la production, même dans le monde de théâtre, même dans le monde de cinéma, même dans le monde de football. Chacun de nous, de la culture, chacun de nous plaire. Pourquoi? Parce que nos autorités, on ne met pas en place de bonnes personnes qu'il faut. Un exemple. Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre. Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre. Je salue avec tout le respect notre maman Cathy Foraya, que je salue en passant. Donc, je souhaite que maman, qu'elle puisse avoir de bons conseillers, enfin que cette culture n'est pas que la musique, il y a beaucoup de diversité. Il y a eu des ministres de culture qui ont eu comme conseillers des musiciens. Oui. Mais ça n'a pas... Mais c'est ça le problème. Quand déjà l'esprit n'est pas préparé... Aujourd'hui, on parle de Sokoda. Sokoda, en tout cas, moi, je ne sais pas où dernière fois que j'étais là-bas, mais ma prière est que cette initiative de Sokoda
soit quelque chose qui peut aider les artistes. Mais il y a des endroits de boîtes de nuit, de bars, de taxis, des histoires. Ils devaient payer. Ils payent. Oh. Il y a le paiement, mon frère. Il y a des recouvrements. Oui, moi, c'est sûr, dans notre boîte, on paye parce que la musique est jouée là-bas. On fait la... Mais cet argent, où est-ce que cet argent va? Des fois, difficile de trouver que la Sopoda, des fois, on disait ici qu'il n'y a même pas une maison. Ils n'ont même pas une place entre les lots de louer quelque part. C'est très triste de voir des gens, des entreprises qui peuvent mettre de moyens pour les artistes leurs droits. Ceux qui sont partis, ceux qui sont en vie. Tu vois, un artiste qui fait un carton fou, il fait une chanson qui cartonne partout. Mais tu regardes sa vie comme ça. Misérable. Tu sens que, imagine-toi au Congo s'il n'y a pas la piraterie et qu'il y a des partenaires sérieux qui se font de partenariat avec des sociétés de télécommunications. Une chanson est achetée minimum 2000 francs congolais qui vaut 1 dollar. Dis-moi, 2000 francs congolais, 1 dollar. S'il y a 1 million de consommateurs, 1 million de consommateurs congolais qui achètent officiellement sans piraterie, il dit bon, Abdoul, quand même, il a fait une belle chanson. Il faut que je soutienne Abdoul. Si Abdoul a 100 000 achats, Abdoul a 100 000 dollars. Dans le 100 000 dollars, si je suis allié peut-être avec telle société, ils ont 30%. Automatiquement. Automatiquement, j'ai mes 700 000 dollars, je peux me taper une parcelle, une belle bagnole et que je vis. Et ici au Congo, les artistes peuvent devenir des millionnaires sans pourtant aller même à Brazzaville. Ici au Congo seulement. À Kinshasa, là je parle de Kinshasa, 15 millions. Et tout le Congo, on a plus de 80 millions. Donc on peut être des millionnaires de millionnaires en musique ou en théâtre ou en cinéma, comme les Nigériens ils sont. Parce que nous aussi, la colonie belge, tu sais, la réalité, on n'est pas trop soutenu. On parle que la Belgique a laissé le Congo inachevé. Voilà. Même sur le on n'arrive même pas à avoir le visa facilement pour aller en Belgique. C'est quoi le grand artiste belge? Je ne connais pas. Ok. Il y avait l'autre là qui, comment il s'appelle le mince là, il est disparu aussi, je ne le vois plus. Stromae. C'était le célèbre artiste belge. Rwandais. Bon, roi des Belges. Bref, donc, c'est quelqu'un qui faisait aussi l'image de la Belgique. Dis-moi quel artiste belge aujourd'hui qui est au top, au sommet, à part d'artiste français. Parce que quand tu regardes Brazzaville, il y a l'évolution, les gens gagnent par rapport à la colonie française. Okay. Moi, je souhaite encore mieux. Si on doit changer même. Tu as changé la mission parce que. Tu es un président de la République. Tu as changé. Oui, bon, ça, malheureusement, on peut pas l'histoire. L'histoire, on ne peut pas la changer, mais on peut aussi s'adapter. Parce que l'artiste, c'est l'impression de souffrir. Piraterie, pas ça la rage, mon robot. Mais aujourd'hui, musicalement, qu'est-ce que les consommateurs de la musique peuvent attendre? Moi, je pense que la base, d'abord, c'est nos autorités puissent d'abord mettre en place. Pour mettre les lots, Bena, la boîte de nuit, la platine, la kine, aux années, l'eau pouvait sauter. Mais ce que sur le plan musical. Sur le plan musical, j'ai des projets que je mets en place pour booster encore ma vision au niveau de l'Afrique. Cette musique congolaise qui est une berceau, le berceau de la bonne musique, qui est une musique très forte. Cette musique, je pense qu'avec l'intelligence que j'ai, avec l'orchestration que je compte mettre en place, on peut exporter notre musique autrement. Il y a du rythme. Mais tu étais dans le label de Fally. Non, je n'ai jamais été là-bas. Bon, en fait, je soutenais Elle Victime au début parce que Fally, c'est mon grand frère. Et puis Elle Victime, c'est comme la maison de ton grand frère. Tu peux venir dormir, tu peux venir. Je n'ai jamais signé chez Elle Victime. J'ai ma propre structure qui s'appelle. Mais pourquoi tu vois Edag Opportunité à bien? Bon, en fait, Elle Victime, c'est pour Fally, mais ce n'est pas géré par Fally. Ok. Il y a des gens qui gèrent. Mais les castings et ça, la maravant, pour pas intégrer. Bon, je ne sais pas les conditions. Bon, je n'ai jamais aussi tenté de faire une demande. Non, je préférais tailler ma propre vision. Comment on a salé aux demandes? Il n'y a pas de problème. Et ça, la PK a bien pris dans le combat musique à Congo. Donc voilà, mais moi, je préfère à connexion. Pourquoi? Parce que ma vision à moi, à connexion, peut aider aussi d'autres artistes selon ma vision. Parce que faire un label, c'est bien beau. Mais gérer un label, c'est autre chose. Tu peux donner quelqu'un à gérer le label, mais le résultat, ce n'est pas en fait toi. Le label, c'est l'amour de promouvoir. Mais est-ce que nos artistes, ils ont l'amour de voir d'autres avancer plus fort que eux? Point d'interrogation. On a vu le label comme Kofi Central. On se pose la question, c'est où la suite? Dis-moi quel artiste est de Kofi Central aujourd'hui qui est. Mais est-ce que Bazarina, on a politique, il y a label? C'est ce que j'ai dit. Bon, ça, bah, label. Parce que Asalfo vient et nous fait premier moi, Gaou. Elle Victime, on mais a vu. Mais sauf qu'il y a Abidjan et l'eau, il faut tout ça s'assembler. Elle Victime, on a vu quand même aujourd'hui, il y a DJ Virus qui est resté avec DJ Boogie Black, ils ont fait Bercy. C'est quand même un pas de félicité. Non, ils ont accompagné Fally. Ben. Ils ont accompagné Fally pour la non, première partie. Non, moi je parle de. Au moins, non, mais oui, non. Ah, maintenant, tu visais Joe. Soit Betty Boro, les gens viennent. C'est-à-dire,
Batubaye kota la fali na sima fali batali bango. Mais oui, c'est une opportunité. Comment on le bat dans le domaine artistique moko. Ya moko comme on va suivi. Suivi. Pour la label mon sous comme du clip tu na chaîne YouTube et style. Suivi promotion terrain nzembo est artiste ayebadi bosa mo lobbying ndenge artiste a évolué makamoto. Ya moko mona que réalité ça yangote. Donc ya moko ba label et belezo limo. Il est na mukeza boye. Osa label est facile mais pour la label. On y a un mot petit solo lobby, musicien, il y a un producteur, il y a un mot boy, il y a un mot. Et on a battu bagné au tang. Battant a bené battu comme un cambouto. Ouais, pas sali. Battant a. Si go, est-ce que tu sali par label? Est-ce que tu es intéressé bon? Ah, c'est difficile. Pour moi, net n'a rien à voir dans un mot bonai facile Didier Mboui. Pour moi, j'estime que ce monsieur, c'est un génie. C'est un génie, pourquoi? Il a plus ou moins toujours une solution ou une réponse à chaque question. Okay. Ça veut dire quoi? Il a fait les communications. Parce que nous avons tout ça dans la vie, communication prône. La communication prône. Est-ce que nous avons la belle ouana? Est-ce que vous avez la belle ouana? On a formé un combo. La belle ouana. Et ça a été un monsieur qui a mis un clip dans le clip. C'est un logo. Si vous avez gagné? Vous avez gagné la visibilité. Elle dit que la visibilité. Si vous avez retour, vous avez mis un clip. Vous avez mis un clip. Non, si vous avez mis un clip. Donc, si vous avez mis un clip, donc, tout ça, la musique a gagné. Tout le Arafat a mis un solo. Alors, à qui me parlait, on me voit mes parents n'ayez pas un tsunami qui les sauve Kokoba en ayant États-Unis à Tigier, à ça les cassettes. Toi, Erin, bisous, on a pas cassette. Bisous, ton autre habit, ton autre balou la bonne. Pas petit, on se voit bien monter. À ça les cassettes, n'ayez, à ce bande de baba, au JB, au Wingé, à ça les qui a talent qu'on a tiré par commentaire. À qui na bar, mogo bano bête à kuna, à tegeli bango cassette n'ayez na 2000 francs. Bah il y a les sous pour assurer sous cassette cette fois-là bah proposer que tout bon abandonner vos artistes tu vois même la mentalité à Batou ils ont déjà l'esprit de faire une promotion de c'est-à-dire que tu gagnes de tes efforts voilà mais ici quand toi tu fais déjà un travail mais là c'est le monde à l'envers ils ont commencé le monde sous publicité tu as le logo là bas imagine-toi donc c'est difficile il y a un mot qui est dans ce monde, il y a une structure. Mais ça, c'est ça, Botika. Arrêtez d'exploiter les talents. Je te jure, parce que au Congo, tu vois, ceux qui sont aujourd'hui, au bas monde, on a des talents dans le Congo. Ils n'ont même pas 5%. Il y a dans le ghetto. Donc, 95% sont en faute de moyens. Quand on a besoin de lumière, on a besoin d'évoluer. Merci à la société, mais c'est l'autre des grands artistes. Grâce à la société, on a découvert des artistes. Combien est-ce qu'on a 4 dans la compétition parce qu'il y a qui vote on a talent plus que on a besoin d'évoluer. On a besoin de cela, vous d'accord? Oui. Ok. Donc, beaucoup de merci parce que c'est l'autre des stars. Mais est-ce que la star, on a gagné le concours? Bah voter bango pour voter bango pour voter bango mais ce qu'on a pas talent est-ce que ba l'équipe ba katara ki na Félix Oise ko beta solo mo boye alobi abima et miss mazale ki to par rapport à basio bayaki ouais parce que basi mususu ba mona ba monter mais ce que o ke sous na contexte mususu pour ba voter bango ba voter bango c'est-à-dire na rose appena mo budget na mo bo voter ba vient na bango tout on a vie monta mo sous prêtre de château kolo allez la petite moi ça la va la be pas bon ah numéro combien voter numéro 9 $10 boye boye château ta mo la 10 000 pour 10 000 bon petit monte 10 000 parce que ça dit sentiment na yo mais est-ce que ça sentiment en réalité parce que ngalo ba ke vrai casting ya ba mama voter té public et y est-ce que le talent est lié au succès? Oui, le talent est lié au succès, mais aussi la tête, comment je peux dire, l'éducation, je peux dire. Parce que le succès est le quoi net, selon ma bien, et bah dans mon succès, il y a un angle. Mais pour gérer le succès, au gérer succès, au maintenir succès, c'est autre chose. Bah tout au monde a mingi, mon a tabanda qui bien, bah tu vas bailler. L'année là m'a bien éducation. Abdul Oza DJ. DJ P à moindre T. Ouais. Parce que moi je te parle comme un frère, hein, sans pour autant avoir les gants. Toi sur le même son. Hermo Benogumagi, on est na kinbalo comme un banga. Nazara toujours banga. Olobi que non.
Amaru là, te recruter. Tu recrutes, mais que l'orbe n'est pas un abysso. Oui. Et pour confirmer que non, on est dans la chef, il y a un DJ Nyoso, il y a une structure en abysso. Tu te souviens? Moi, oui. Je te souviens à la télé en oui, train de dire oui, ça. Oui, oui, mais c'est la vérité. À l'époque, quand j'étais au Fiesta. Moi, je suis dans la salle. Tu es dans la salle? C'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Il y a un décalage il y a une année. Et puis, dans Moussala, là-bas, je crois, 5 ou 6 années, je crois, avant Yaya, dans Moussala. Donc, tant que Yaya, déjà, on a DJ Abdoul, on a déjà DJ Abdoul, on a mis dans la fiesta. Donc, Yaya a travaillé dans la boîte de Boussala, Afro Club. Okay. La deuxième boîte, deuxième doublure à boîte, il y avait un épisode Richard Kabane. Okay. Ils avaient écouté en face à Midema, on en a venu. Mm-hmm. Hein? Avenue à Simon. Côté Mambo Zalaga. Côté Mambo Zalaga. Donc, il y a l'Afro Club. Il y a des bossus à Bandawan. Il y a des gens qui ont une atmosphère, qui ont une advantage, qui ont une fiesta. Donc, il y a une, je crois, 2012. Mais est-ce que tu peux parler de bien de lui? Bon, on parle de bien de quelqu'un, ceux que vous fréquentez en parce que vous voyez, c'est un garçon bien, en dehors du micro, c'est un bien. Mais quand je parle de bien de la musique, c'est un bosseur. Mmh. Il fait bien sa musique selon lui. Mmh. Ce que je vois, c'est un artiste aujourd'hui aussi, on peut compter l'espoir et la jeunesse. Mais le problème, mon problème, c'est qu'on ne doit pas mélanger les choses. Si on n'est pas pote, on regarde la télévision, okay, ça, on est pote. Parce qu'au défaut, on a des arabes, on a des hypocrites. Parce que toi, on n'a pas une même vision. Donc c'est un peu ça. Sur platine, tu es le meilleur. Ça n'engage que moi. Merci. Et vous permettez ngai na lubamara. La bille ça va la photo ba biso ba vacances ba wana ningi ça ba ngo. Net ba Mirai ou Anka ke de Berlin. Toujours toujours ba Mirai ou Anka ke ayebi ke sura ba côte na piste de marathon. OK. Mais non. Na si ma platine, tu as le temps ou tu as le temps d'apprécier ba sonyo ce zobeta. Oui. Ba album e bimi. Qu'est-ce qui t'a tiqué ou qu'est-ce qui t'a impressionné? En tout cas, il y a. Non, il y a la vérité. Sans les gants, que ça choque à quelqu'un, mais il y a une atmosphère, il y a eu DJ. Il y a deux albums autour de Mami Colonne, touché à Makassi. Il y a Héritier, Watanabe, Mi Ange, Mi Démon. Okay. Cet album, il y a la richesse, mon côté texte. L'artiste est vraiment à qui Moussika et puis. À Kundoli. Et puis, il y a un rythme, il y a rythme, il y a musique à Kala. De l'artiste a revisité vraiment la rumba. Naebisio a travaillé na ba pro, a travaillé na ba grand, a travaillé na ba icône ya rumba. Il a pris son temps vraiment pour revisiter ba rumba ou ya kalao demba vraiment. Mais particularité dans mon c'est que texte ya ba ntembo ou héritier exploité. Il faut d'abord mailler pour comprendre ba accord wana. Wana côté rumba. Puis héritier ma na français. Imagine toi. Quand il y a français, il y a une nuance. Tu vois le français? Le français, il y a une nuance, il y a un accent. Il y a une nuance, il y a un accent. Il y a un maman. Il y a compliqué. On comprend. Il y a différent. Donc, on comprend. Il y a un accord, il y a une nuance en français, c'est différent. Deuxième album, il y a un album qui est teki sur rumba. Au niveau international, il y a un album Tokos 2. Il y a Fali Poupa, il y a une sonorité. R&B, trap. Joel a sangisi hip hop zouk et kotina rumba. Fali Poupa aujourd'hui cet album. Mais ça pour vite en tout cas, il a risqué, je peux dire comme ça. Tokos 1, Fali a ça qui sous moi lengi, mais la Tokos 2 au sentir et il y a français, il y a Tokos 1 à Fali, la Tokos 2 est très différent. Non, mais le gars a évolué. Donc, le gars il a évolué, il a travaillé aussi avec de grands, ces deux albums que je peux dire pour moi, c'est le meilleur qui vient de sortir qui encore est tombé sous musique congolaise. À niveau à l'écolo. Et puis aujourd'hui, je vais aller à Benoît, à Solo, à Makassi, à Makélé, les deux. Il y a qui ont trop. Non, c'est un peu plus artiste. Et la musique, elle a été modernisée, elle a été modernisée, et garder quand même esprit. Mais tu ne penses pas qu'elle perd de valeur? Même pas. Comme elle perd de valeur, sauf qu'elle dit qu'elle est à mort. Sauf qu'elle dit qu'elle est un coup. C'est de la rumba, mais la rumba sur une autre forme. Sauf qu'elle dit qu'elle est un héritier, qu'elle est un héritier, la chimiste. Elle est une rumba reggae. Elle est une rumba, mais elle est une rumba. Pourquoi musique à Bob Marley, donc, pour moi, je pense que les artistes sont en train de faire l'effort. Parce que dans la conservation, une mutation peut aussi faire perdre les valeurs. Même pas, en fait. La qualité. Je peux dire ceci. Baba Coste, c'est mon bout. Baba Coste, elle est là. On a raison, ma carrière. Tu vas plein zongye. Zongye. Bon, moi, ah, c'est cool. Quand tu fais une rumba, génération, elle est là, elle est hip-hop, elle est R&B. Quand tu fais la rumba, mélange un peu des sonorités aussi, R&B un peu. Et puis le message aux opés Salandimbo, tu n'as pas besoin de chanter beaucoup de choses pour captiver les gens. Mélodie a bien, texte est moro facile à retenir. Et le timing.
Surtout ça, il y a des gens qui font des musiques de 2 minutes, 3 minutes. Yo, ça la rumba, il y a 9 minutes, 10 minutes. Qui va danser ça? Les gens sont. T'es dansé, ne va danser. Il y a 10 minutes. Mm. Hey. Moi, je voulais. Je parle de Edou Bakanga comme maître de cérémonie. Mm. Et une difficulté que je rencontre souvent dans les soirées, c'est. Mm. Un DJ mm. qui vous balance la musique, mais à mon avis, il y a des pistes qui sont vides. Mm. Moi, on continue à faire ça. Musique naïe ou ya moni ya bien. Voilà la DJ T. On a discothèque. L'objectif d'un DJ c'est quoi? De mettre l'ambiance. Un DJ son rôle c'est de mettre l'ambiance. Un DJ ne laisse pas sa piste vide. Il y a comme un tour là-bas ok. Balobaro bah DJ a beau musique à Congo, bah ça musique à Bapaya. Tu sais le secret c'est quoi? Ces gens là ils ont musé na ba indiscu na ba ngo sur la promotion. Si une chanson sort par exemple la semaine prochaine, la communication agressive dans toutes les chaînes dès que le clip sort. Déjà, toutes les grandes chaînes, aujourd'hui presque tout le monde chez lui a les chaînes câblées. Alors, moi, je suis là, Twindy. Il y a un peu de TV, puis on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Twindy, 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 Twindy. Si on est dans la boîte, je dis, non, aïe, bien, on est là. Twindy, Twindy, aïe, à côté de la piste. Parce qu'il y a Ibi, Twindy, Twindy. Parce qu'il y a la promotion. Nos artistes souffrent de la promotion parce que l'argent. Lui-même est producteur, lui-même il est manager, lui-même il est arrangeur. Il est mort sur le random, tu sais, les beats. Il est mort sur le régisseur avec la TV, alors que régisseur radio, alors qu'on sait l'émission. Donc, ils ont des difficultés où ils savent artistes la mission. Mais Ndambo, c'est la fierté. Tout le monde est encouragé, enfin que la musique à Congo est toujours au top. Moi, je ne suis pas détruit la musique congolaise parce que déjà dans nos boîtes, on reçoit 300, 200 personnes, 500. Mais là, de fait, il y a toutes les familles, il y a de mamans, il y a de parents, et que la musique congolaise est toujours au top. Mais seulement que nos musiques là, au bas c'est beaucoup de familles basa vivants, on peut revisiter ces musiques là pour leur garder leur pays de droit d'auteur, c'est que les Américains ils font. Dès le montant monsieur années 60 et ça leur a succès. Bah lui en gros bah revisiter en gros, bah garder originalité en gros, bah ça l'a mis à jour. Bah lui une partie à droit d'auteur, bah peut-être la famille a acquis des droits. La fierté de la musique continue. Donc, moi je voulais encore ajouter un élément. Confinement, couvre-feu. Ouais. Et Bobikop. Makasi. En tout cas, couvre-feu, Bobikop, Makasi, papa. Mais t'as la Congolais, le roi de la maille, le roi de la cop, a bouleversé plutôt. Kaka, n'engue maman, ça là. Toi, dans mon 12 ans, tu vas être. Mais si tu connais Mikolo, surtout Nitoyoka Didi Abdoul. Rendez-vous à. En tout cas, rendez-vous dans les réseaux sociaux, dans le programme, on appelle ça chaque jour. Mais tu n'as pas abonné au Balinga DJ Abdoul. Non, c'est-à-dire adresse net. Il y a comment on est indépendant. Donc, comment on peut ça net sur l'autre. C'est comment on peut être rebelle. Bon, rebelle, tu es préféré. Pourquoi? Parce que ça me permet de partager savoir dans partout. Net sur l'autre, mais à crédit, je ne peux pas me retrouver dans un challenge. Donc, si on a le mot, il désire avoir couru aussi à la publier. Ma statue, on a retrouvé moi Pokémon. Baby, j'ai dit bah moi la pima la bande. JR, je te salue. Donc toi là j'ai dit la pima. Vendredi, bah écoute dans la Pullman la 9e étoile. Comment ils sont mais bon on écoute bien. Moi que bon on s'est retrouvé. Moi c'est Ndumba. Bon on écoute bien. La préférée bon pourquoi? Et permettre là ceux qui n'ont rien qui débrouillent la ville. Là la patron mon retour est que non ne voyage pas. Ne parle pas parce qu'on a besoin de toi. Mais voilà ce qu'on va bénir pour la cop nana. Indépendant. Il y en a qui ne Kasangulu, toi là qui ne Kisangani, là qui ne Goma, là qui ne Bukavu. Donc, ce qui est bien partout, il n'y a aucun de parce que nous avons pas pour le peuple. Nous avons bien les DJ chéris du monde, les DJ du peuple. Papa Biri. Voilà. Je profite pour cette occasion de dire un grand bonjour à Mama Bio na Manchester. Balamba Kaka. Mama Bio na Manchester, Tissigo Dozo Liate. Vieux Féroce film, il y a Kin. Ah, Vieux Féroce. Mouta préfecture. Au moins, je suis un peu de temps. Arrêtez d'abord. C'est-à-dire, je parle d'un concept. Osa domestique na prison. Osa na poto, moza na mukandate. Essayez de revoir cela. Je dis un grand bonjour à Alain Wakake depuis Paris. Et je salue Carlos Osvaldo. Carlos Osvaldo Walter. Bâtiment. Et côté on a ma soleza bien. Je reviens à mon invité pour épingler un peu sur ses relations avec les artistes musiciens. Aujourd'hui, lorsque un artiste américain fait son voyage, a de fois besoin d'un orchestre mobimbate. A un DJ. Voilà.
C'est vrai que net nandenga na biso bakin bassiste ténoriste orchestre faisala parce que to ko no beta on demba. Mais est-ce que Namusa na ki DJ tu es vraiment capable que non bon faire go la Fali Poupa ou bien Fabregas a eu contrat moro na Miami Fadi Kanayo. Est-ce que tu peux assurer? Mais bien sûr que tu oui. L'as déjà fait. Ouais, je l'ai fait une fois avec Fali. On a tourné, c'était à Côte d'Ivoire, à Abidjan. On est parti en Mali, bien qu'il a fait le live. Mais j'étais là au cas où il y a d'autres programmes qui peuvent s'improviser pour ne pas faire le live. Artiste et tout, on a toujours un DJ là-bas. Okay. Donc pour moi, ils ont une loi comme artiste, il y a un message. C'est vrai que dans la culture, vraiment, il y a un artiste, il y a un sauté. Là, par exemple, je suis avec Papa Chéri, on travaille comme son DJ officiel. Okay. Donc ceux qui t'aiment sous ce dernièrement, parce que j'étais un peu malade, contre Yaki, bien qu'il fallait qu'il y ait mon cabane à besoin. Mais c'est un peu parti, mon sous privé, en bête, un orchestre. Il y a un DJ qui a la platine, qui a la musique. Mais bon, pour que la manière, il y a un cop. T'es un bon, un cop, bah foutu leader caché, il y a Salim Moussala, mais DJ a géré, bah son, il fait son playback, il y a des chansons où on fait de sampling, il y a un instrumental, Oazoye, bah en live. Mais bah, moi, comme ça existe. On dit que tu es trop Fali et t'aimes pas Ferré. Non, c'est pas ça. Ferré, c'est notre artiste que je respecte beaucoup, mais sauf qu'on n'est pas en bonne relation. Bon. Mais vous avez jamais essayé de... Bon, ça n'a jamais existé, pour être franc. Mais si ça arrive, vous si allez ça le faire. Arrive, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Bon, parce donc, que aussi un autre élément dans ce monde-là, oui, quand ça tu es jamais... proche d'un oui. Et l'autre te voilà. Considère comme ennemi. T'as tout dit. Donc moi, j'ai pas de problème avec... C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Sauf qu'on n'a jamais eu de relation comme ça. Je joue sa musique dans ma boîte. Okay. Le genre, c'est fanatique. Je la berce avec la musique de Ferré Gola. Donc, il n'y a pas de problème. Quel est le dernier son de Ferré que tu as apprécié? Il y a la chanson Regarde-moi, que j'ai fait même des émissions, que j'ai dit qu'il nous a surpris. Mais là, je suis étonné de voir que la chanson est supprimée sur YouTube. On l'a supprimée pour des raisons que je ne peux pas dire, mais je connais les raisons pour lesquelles on a supprimé la chanson. Parce que tu sais, les artistes doivent comprendre à respecter les règles de manager. Okay. Par exemple, si moi je manage un projet et que ce projet, c'est pour M. Edou Bakanga, c'est pour 5 ans. Et dans un an, tu déconnes. Et peut-être que ta signature était sur un point que je peux tout faire pour anéantir. Si je sens que... Rappelez-moi, selon moi, votre gagnage, moi, l'artiste, moi, j'étais le nom. Pour un contrat, je crois, ukrainien, moi, tu vois, les gens, ils voulaient faire une publicité, ils voulaient un artiste. Et tu es ok, l'artiste, en gros, c'est moi qui servais de pont. Au fait, tu es comment, tu ne vois plus ça, combien? Oh, 5 000, 3 000, ouais, mais bon. Le rasuga là en bas, moi, à tenir la poche, à tenir mon tenue. Non, tant qu'on a, on a signé un peu. En fait, c'est ce côté-là. On se moule là. Il y a des points où, dans le contrat, et qu'au bébé sur notre carrière, il y a des points où, au signer ma bébé, aux yeux, des problèmes. Non, mais raison, tout le monde est bon. C'est pas un truc, c'est parmi les chansons que moi j'aime, malheureusement, la supprimer. Moi aussi, j'aime donc, beaucoup. Je crois que l'artiste, avec son équipe, doit essayer de revoir. Et aussi, je pense que avec le prochain. Des jours à venir, il y aura des respects de contrat. Et voilà. Ok, nous arrivons pratiquement à la fin de notre tranche. Mais je sais qu'il y aura des contacts, il y aura des interventions de gens, mais je vous assure, Abdoul est disponible. Et moi, sur Afrique Info, je suis là. Il y a des gens qui vont s'en aller face, mais bon, nous, on a vraiment pas de billes. Abdoul, c'est pas fort. Abdoul, Ebsinga. Edou is back. Mais ça, là, au fin, mais ça, là, va commenter. Non, 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 supporter. Supporter, au fin, là. Pour moi, Joe, moi, on va le battre. Eh, si, go, Ebsinga. Yo, supporter, au fin, pour Internet, au message, au fin, au gagné, là. C'est ma belle à la goéba. J'attends que je suis là, 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 voilà. C'est comme tu viens de nous dire un truc important. Au bête, le seul solo que va supprimer, regarde-moi sur les réseaux sociaux. Mais bon, je me permets de te demander si tu en connais quelque chose. Les internautes veulent savoir. En fait, c'est que moi j'ai compris. Je ne dis pas ce qui est vrai. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'un contrat qui a été lancé. Autre que son ancien manager, qui était autre que... L'actuel. L'ancien, parce que le contrat n'était pas à terme. La chanson a évolué. Alors, il y a eu quand même... Moi, je sais que dans le contrat, on commence par un projet, après autre projet qui va suivre, et puis après. Quand vous commencez que ça s'arrête, vous devez tout arrêter et tout reprendre à zéro. Mais sur YouTube, si chacun de vous a un droit sur ça, et que ça doit être retiré,
si la partie a parfaitement raison. Mais ce qui touche mal, c'est que la partie de l'artiste doit avoir une communication pour nous expliquer réellement pourquoi on a supprimé la chanson. C'est que moi, j'ai dit, c'est mon calcul. Hein. Okay. J'ai compris. Donc, tu supposes. En étant artiste, je suppose que c'est ça, que j'en ne traîne pas rigueur. Mm-hmm. Donc voilà, je suppose que c'est ça, parce que l'artiste doit nous éclaircir. Mais je pense que c'est ça. Bon. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, je pense que les artistes doivent respecter le contrat, le close, et puis il s'est laissé guider par de managers compétents qui peuvent amener encore très loin. C'est que peut-être tout à l'heure, moi aussi, je lance de, s'il y a un bon manager, parce qu'il va ventrier, il va trop. Je t'ai proposé, il solo mais pas, il n'y a pas de il y a là. Il y a des projets, mais pas. Explique-le, il y a des artistes, il y a des artistes, il y a des artistes, il y a des artistes. Les lots au Fali Poupa aujourd'hui, il s'est laissé commander. Fali a plus de 10 managers. Oh, les lots au Yavan Narbaï, il s'est dit que tu as une émission, ça, ça, ça. Je vis aussi Fabregas, qui est signé par Sony Music. Mm-hmm. Je vis nos artistes. Bref, au bazar sérieux, au bazar a signé, dans un label comme Eriti Watanabe, avec Oboe Music, avec David Monson. Ouais, donc, c'est un contrat, c'est une production qui va. Ceux qui vont résilier le contrat, tu verras que les deux parties vont s'annoncer. Tout le monde a des pliques avec non, avec le contrat, un sponsor et un producteur, Moboe. Mais il y a aucune qualité. Mais comme il y a mon frère, mis album, il y a un album. Donc, nos artistes aussi doivent respecter parlons les contrats. Parlant de ça, je me souviens dans les années 90, jusqu'à 90, oui, 90. Papa Wemba, en sortant son album Émotion, il s'est laissé conduire. Voilà. Malgré sa grandeur, son talent, il s'est laissé conduire. Les artistes, nos artistes doivent arriver à laisser chacun faire son travail. Moi, j'ai des artistes que je gère, qui sont même en Europe, que je gère. Je cite la sœur Grace Panzouke à Londres, que je gère sa promotion. L'artiste doit arriver à écouter. C'est-à-dire, on te dit, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Parce qu'il y a un abattement qui est dans la classe pour que tu ne te fasses pas. Tu es ça, on te le concède, on ne te le prend pas. Mais accepte aussi des remarques. Nous, on a ce côté-là, leader, Alinga, Ebinioso et tout ça. Ah, oui, caloté. Donc, on est arrivé à la fin. À la fin, peut-être, de cette tranche. Est-ce que tu as un dernier mot? Bon, à un moment donné, moi, je dirais toujours à tous mes amis, mes abonnés, ma famille, les gens qui soutiennent DJ Abdul, le 23 juin, c'est la sortie de mes deux grands projets que je lance parce que c'est aussi mon anniversaire. Okay. Et en même temps, je veux faire un grand événement pour présenter. On a fait quand même une pause, ça fait 2 ans. Okay. Et là, c'est vraiment le comeback depuis tous ces problèmes qui s'est passé. J'avais fait une pause et là, maintenant, je reviens sur scène avec deux tubes qui annoncent l'album qui sera la suite de l'album qui sera au mois de décembre. Mais ce n'est pas quand avant. Quand on est bien avant, mais derrière moi, 2 ou 3 tubes dans Kanda Turobi Musango avec un point de presse pour éclaircir pourquoi on a fait ce silence et le comeback de 3 titres qui sera dévoilé pour se relancer dans la promotion. Donc, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous sur ma page Instagram qui est DJ Abdul Bokams, D-J-A-B-D-O-U-L Bokams. Donc, c'est sur Instagram. Follow me. Donc, mon numéro de contact, c'est le +243 990 88 88 89 +243 990 88 88 89 Bonjour Moko. L'artiste est tout dans la diaspora. Donc tous en a pour n'accoser la promotion à Bino. Ça la paix promotion à côté de DJ Baza parce que j'ai plus de 300 DJ que je gère pour la promotion des artistes. Tina ba fin foi qui n'a quatre bonnes robeta avec A Connexion. Nous avons disponible pour la fête. Une dernière question. Parce que Nabi Gola Souka, pour RP Leki, copie, aura disponibilité pour la COP Moussou. Net Nakin, n'a sentiment et n'a pas de talent. Au Tina DJ, à remplacer. Ah, mais tu l'as à la fête. DJ Sizol. Souka, un DJ. Château Ebi. Ok. DJ Sizol, la ZUCOP, la BNABA DJ Moussou, la PSAMP, la COP. On a un dégât, Nini, Obi Benaga a remplacé valablement. Valablement, Obi ta musique qui toque, donc on a la confesse de Kanina Namissou, on a dit que c'est bon. On est arrivé à la fin, moi je salue ta maman. Ah, maman chérie, j'allais que je salue. Que tu nous suis. Je salue mes enfants, je salue tout le monde qui me soutient de loin, de près. Vraiment, le numéro est là. Tout sur le là, et que ça l'a bien, ma casse, donc je vous aime. Ok. Le bien est devenu mieux, que le mieux soit béni. Je profite pour cette occasion de dire un grand bonjour. Et plein de bisous à Madame mon épouse, Nali Mboyo Bakang. Bisous. Et à tous nos enfants, je leur fais un gros bisou. J'ai oublié de dire un grand coucou à 2 personnes à la régie des eaux. Chimaro Chimanga et Alfonso Ier.
Au revoir. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko ako fandisa ideologie, esika oyo ba Congolais tout ba kobanda ko yako kutana na ndenge ya deux fois te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djonga de, bafongola ka kobanda mokolo ya mardi. Ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, bobanda ko zwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepeli sabino nandenge ya sakanate ozako lia ozako mela ozako bina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya ko sakanate et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palo la awa boko sentir betu e bao difference yena Tele, mone, nami, ya nani. Chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Mabi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La tata King, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit bana din bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site ya semoko Afrique Info avec Frank Semai Yandankala Twende!